Bonjour, bonjour. les assauts sont activés. Va-t-on Tac, mourir? Et là, boum. Va-t-on? Ouais, alliance contre nous. Ah, mais après, on n'a pas forcément parlé d'alliance, tu sais. Non, mais tout le monde a déjà fait des FK. Tout le monde a déjà fait des FK et tout le monde connaît le principe des alliances quand on est en 3v3. Donc, mais en fait, le truc, c'est que je ne veux pas le rappeler. Parce que, dans le sens, du coup, parce que c'est en mode, pensez bien à faire une alliance. Et dans l'autre sens, si on nous demande, alliance autorisée, ça veut dire qu'ils y pensent. Donc en fait, dans les deux cas, ça pose un problème. Donc c'est pour ça que je pense que personne n'en parle. Ou alors je le dis, mais bon, du coup, ça veut dire que, attends-toi. Non, mais... Si je le dis, ça veut dire qu'on se prend une alliance sur la face. Donc, c'est le risque. Je suis en train de casser, du coup, le traîneau. Enfin, le traîneau du bas, là. Bah, écoute, on a notre traîneau qui vole, là-haut. Blocs, Vas-y, t'inquiète pas. Et dès la dixième minute, tu vas te... Tu vas dormir. Moi, je pense, de toute façon, la priorité, tu vois, genre, tu me disais, fais des pièges et tout. La priorité, c'est de consolider le mur, mec. Hein. Oui, et surtout faire les popos. Voilà, c'est ça. Ah, à chaque fois, c'est moi qui l'ai fait, à vous, monsieur. Oh, à chaque fois, je l'ai fait. Dans tous les FK que je fais, j'ai... Mec. Ah, mais alors... Non, mais alors, à chaque fois que t'es avec moi, les deux que t'as fait avec moi, tu les as pas faites. Hein. Peut-être, mais très honnêtement, genre, moi, il y a toujours un épisode et demi où je passe à faire des popos, donc je dis pas non ce que vous fassiez les popos. Ouais, on fait moite-moite. Mais je suis en train de former des blocs pour la muraille. Mec, notre bannière est dégueulasse. Mais des blocs pour la muraille, mais qu'est-ce qu'il me dit? On est bon là pour la muraille, on va mettre d'autres choses que des blocs. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas consolidé, tu vois pas qu'il y a des trous partout. Là, c'est pas ça qu'il faut faire. Là, déjà, il faut agrandir le lac pour que quand on saute, on se fasse pas mal si jamais on meurt. Donc, je vais commencer par faire ça. Faites donc. Moi, je suis occupé. Allez-y, faites des blocs si vous voulez. Est-ce que. Okay. Il en peut plus déjà, il en a marre. Épisode 8, il veut finir là. Non. Il en peut plus de moi. Mais non. Hop, j'agrandis un petit peu les temps. Vas-y. Fais-nous une belle piscine. Oh, bon, c'est un peu l'idée. Par contre, le problème, c'est que là, la source d'eau infinie. Oh, pire, j'ai une source d'eau, je la mettrai, hein, ça fera une. Après, prépare-toi, peut-être qu'Aurélien va donner un truc. Hein. Bon, okay. Même si là, ceci dit, ce coup-ci, on n'a rien eu. Ah, parce que c'était pour les autres. C'est pour ça qu'on n'a rien eu. Ouais, peut-être. Et après, en même temps, on s'est dit, on n'y va pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, on aurait pu y aller, c'était pas forcément pour les autres. C'est juste que. Oui, c'est vrai, c'était pas forcément pour les autres, mais on s'est dit, bon, allez, on leur laisse celui-là. Ok, alors écoute, il y a un saut. Qu'est-ce que tu veux faire au niveau de la muraille? Explique-moi. Concrètement, si tu veux, on peut prendre les dalles maintenant pour rehausser. Si tu veux. Ok. Il faut creuser. T'as des blocs? J'ai déjà farmé quelques blocs, oui. Ok, bah alors attends, vas-y, je remonte. En fait, j'ai surtout plus de pioches, donc pas faire grand-chose. Mais on a masse diamant, on va t'en faire une. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est la 15ème fois de cette série que tu me dis que t'as plus de pioches. Je te jure. Ouais, mais à chaque fois, je les pète, donc voilà. Je te jure. Tac. Déjà, est-ce qu'on rebouche ici? Attends, ici, je vais reboucher avec du bois. Non, t'emmerdes pas, je vais reboucher avec du bois ici. Ah bon? T'es sûr? Bah oui, parce qu'ici, c'est le sol de base, on va rehausser le dessus maintenant. Tac. Toc. Donc là, on est d'accord, on fait tout le. Voilà, tout le. De toute façon, alors tu sais, le côté de rehausser, des fois, ça sert pas à. Ah! Mais Aurélien! Je suis en train de réparer! En vrai il faut être super réactif quand t'entends un creeper. Ah non, mais il m'a fait tomber un creeper sur la tête! Tu peux rien faire, c'est le creeper qui explose! Oui, c'est un coquin. Il aime bien s'amuser avec les gens, il a raison. J'aurais été à sa place, ça aurait été la même chose. Voilà! Ça va? Ça va? Je peux plus rentrer. Je t'ouvre. Ça va? T'es pas mort? Non, pas encore. Rentre. Mon pauvre. On se fait attaquer par le dieu. Ouais, c'est. Du coup, là. Un peu d'assaut, tu vois. Mais en vrai, il nous aide. Il nous donne des blocs. Ouais. Non, justement. Justement. Là, fait avec des blocs plus résistants. Ah, ouais, mais j'ai que des dalles. Bah, tiens. Tiens, derrière toi. Non, je fais ça. Ouais, c'est bon. Hop là. Comme ça, au moins, on consolide un peu plus notre base. Je vois. Tant qu'à faire. C'est grâce à Aurélien. Okay. Merci Aurélien. Hop. Monsieur Sama. Donc il y en a bien. Hop. C'est beau, ça fait un petit parquet là, c'est cosy. Ça fait un truc sympathique, hein, vraiment. Moi j'aime bien. Bonsoir. Ok. Donc j'en étais où, mes dalles? Je ne sais pas. Ah ouais, tes dalles, c'est vrai. Donc tu disais, toi, rehausser, tu penses que, bah, au moins sur les deux, voilà, sur les côtés comme ça peut être pas mal. Ouais. Enderman. Vas-y. Je me le fais.
Il y a besoin de combien de perles pour, bah 12. De toute façon, on n'a pas de blaze rod, donc... C'est vrai. Donc, l'end, je sais pas si on le fera, on verra. Je pense pas, mais... Bon, je sais pas si quelqu'un prend une forteresse, hein, parce que... De quoi? Tu sais pas si quoi? Si quelqu'un a trouvé une forteresse. Alors ça, j'avoue que... Ah, il faut qu'on fasse les popos aussi, putain, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que c'est la muraille en priorité, tu vois. Ouais, bien sûr, la défense, bien sûr. Et après, popos de poison et de speed, surtout. Ouais, ouais. Et après, éventuellement, éventuellement les défenses. Enfin, les défenses, les... Ouais, mais je pense qu'on va aller à saut, honnêtement. Je pense très honnêtement. On a beaucoup TNT, je pense. Non, on en a pas beaucoup, c'est le seul problème, on en a que 8. Enfin, 8 sur un truc où il rebouche un peu et tout, on se fait vite avoir. C'est le seul défaut, je pense, de notre muraille. Enfin, de notre... On est quand même rentré dans une base. Ouais, rien. Bah ouais, parce qu'elle était mal fermée, mais... Ouais. Sinon... Bah, pas de dire, mais... Voilà. Est-ce qu'on les re-assaut, eux? Est-ce que simplement ils ont bougé leur coffre cette fois? Parce que sinon là on rentre, on a gagné. J'espère quand même qu'ils ont bougé leur coffre. Sinon on attaque les autres pour leur... parce que pour pas les laisser se reposer sur leur laurier, on attaque les autres. C'est vrai. On pourrait. Alors j'aurais pas ma Miss Addict en rouge, cheveux rouges, mais on peut attaquer les autres. On va voir. Écoute, ça se trouve c'est nous qui allons vous faire attaquer. Ça se trouve, tu sais on parle, mais si ça se trouve dans 8 minutes, on sera dispatché dans une autre équipe parce qu'on aura perdu comme des merdes. C'est possible. Peut-être, mais c'est pas grave, ce serait bien aussi, ça change d'habitude. Alors, ce serait bien, écoute, si t'as envie d'aller voir dans une autre équipe, dis-le. Mais j'ai pas forcément envie d'aller dans une autre équipe parce que ça voudrait dire qu'on a perdu. C'est que la dernière fois j'ai gagné avec Brioche, donc ça me ferait plaisir de revoir Brioche, voilà. Je suis nostalgique. Bien sûr. Ah, mais alors si tu veux, on peut attaquer les jaunes et on récupère Bri. Voilà. Tu veux faire ça? Non, je connais pas Rosegrim. Faut qu'on me présente du coup. Mais alors, on attaque qui là? On attaque personne. Ok, pour l'instant on se prépare. Voilà, on verra. On fera au petit bonheur la chance, on fera un ploum ploum. Ploum ploum. Ça sera toi que j'attaquerai. Au bout de trois. Ah, le titre de l'épisode, le ploum ploum de l'attaque. Putain, j'arrive plus à remonter, j'ai fait trop de beaux labyrinthes. Le donjon du Nether, juste à côté du portail dans le Nether, est ouvert. Grosse récompense. Oh putain, go, vas-y, cours. T'es sûr? Tu vas avec moi? Oui, vas-y, cours, tu perds déjà du temps, cours. Et je suis déjà en train de courir, mais ferme-la. Mais par contre, je sais pas par où on remonte, je ne trouve plus le... C'est bon, j'y suis. Ah. C'est bon, j'y suis. Vite, cours. Alors par contre, alors non, il faut que je te laisse y aller seul. Pourquoi? Parce que c'est la pire idée. Imagine, il nous assaut pendant ce temps, on se fait avoir. Ah ouais, je vois. Il faut que tu ailles seul, malheureusement, je suis désolé. Ne prends pas de risques inconsidérés, mais il faut que tu ailles seul. Parce que c'est le risque en fait. J'aimerais trop voir ça, mais je crois en toi. Je peux perdre mon stuff aussi. Ouais, mais on a du diamant, on pourra t'en refaire. Vu que le dieu est actuellement en train de jouer avec ma face, c'est-à-dire que je me reçois des creepers jusqu'à que plus en pouvoir. Pense à bien manger, t'as de la bouffe? Ouais, je suis full en bouffe. Ok, moi je suis mourir. Je vais pas arriver. Oh, super, j'ai plus de stuff du tout. Quoi? Oh non! Attends, il est où ton stuff? Je vais le chercher. Justement, je suis pas loin, je suis pas très loin. Il faudrait juste pas que le creep le pète. Je pense qu'il a pété, hein. Je pense qu'il a vu le nombre de creepers qu'il y avait sur moi. Ah non, j'espère pas, t'avais un bon stuff. Bah ouais, bah je l'ai plus. Si, ça va, il est encore en vie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, parce que c'est vrai que du coup tu es... C'est vrai, tu respawns plus à la base. C'est quoi au final? Tant mieux. Tu vois, comme quoi? Bon, c'est quoi au final? Alors, est-ce que tu veux aller dans le Nether ou pas? De toute façon, là, il t'a tué, je pense qu'il va te laisser tranquille. Aurélien, laisse-le tranquille. Il va aller dans le Nether. Ouais, bah écoute. Il va aller dans le Nether. Dieu m'a tué. Ah! Il t'attaque encore? En fait, tu veux pas que j'aille dans le Nether, c'est ça, j'ai compris. Le dieu ne veut pas que j'aille dans le Nether, Sifano, bon, bah... je fais quoi? Bon, est-ce que j'écoute notre bon dieu? Bah, reviens dormir alors. La malédiction vous touchera aussi, non? C'est pour que les autres se remettent en selle. Allez, vas-y, viens, Romain, viens. Rentre à la maison, viens dormir dans notre lit. Je vais mourir encore. C'est bon, je rentre. J'ai compris, Dieu. Je comprends votre message. Priez, mon Seigneur. Notre Père. Hop. Il est parti. Je crois qu'il est parti. Oh, très bien. Ah, il veut pas que j'y aille, je pense. Et la question, c'est est-ce que si moi j'y vais... Ah, peut-être. Je sais pas, moi, il m'aime pas moi, tu sais, depuis tout à l'heure. En vrai, c'est bête à dire, mais il faut que... S'il y en a un de nous deux qui doit mourir, c'est clairement toi, parce que t'as moins de stuff à refaire.
Moi, si je me perds le full day. C'est la fire aspect, hein, je pense. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, moi, si je me perds le full day, mec, on en a pour un moment à le refaire. Alors que là. Bah là, tu vas revenir, tu peux dormir. J'hésite à aller dans le Nether. Viens dormir déjà. Viens donc, dodo. Je suis vers le portail. Tu es trop joueur, mec, tu es trop joueur, tu vas mourir. J'aime jouer. Il faut, en fait, dans la vie, il faut prendre des risques, tu vois. Écoute, vas-y, c'est aussi ton FK, vas-y. Hein. C'est écoute, aussi, je tente dans tous les cas. Bon. Bah, dans tous les cas. Mais alors, ne pleure pas derrière, hein, ne râle pas. Ah non, non, je râle pas. Je prends mes engagements. Ok. Voilà. Et ça se trouve, quelqu'un l'a déjà pris. Y'a super brioche. Je vous ai tué. Il était stuff. Il était stuff. Il avait du stuff en fer, protection 2, protection 1. Ok, fais gaffe qu'il n'y ait pas Rose Grim non. Quand même. Alors. On peut pas mettre plus la merde. Into fire. Oh, bien. Il y avait des blazes. Ouais, ouais, ils sont violents, mais il y a des blazes. Mais du coup, ça veut dire qu'il est venu. Attends, what? Ça veut dire qu'il a pris la récompense. Il a pas pris la récompense? J'ai pris quelques blaze rods et je rentre. Ok, nice, bah parfait, on peut se faire les popos finales. J'en ai deux. Ça suffit, mec, ça nous fait... En fait, il y a un coffre, mais je préfère le laisser aux autres, tu vois. Mais, ouais, ok, très bien. Tu vois, genre, je le laisse aux autres. Et mec, t'as vraiment, sans... De toute j'ai façon, deux blaze rods, c'est ce qu'il nous fallait. Mais largement, avec ça, ouais. On a trois popos de force chacun. Mm. C'est très bien. Quand tu vas revenir, la base a quelque peu changé. D'accord, attends, j'essaie de revenir. Ok. Voilà. Non, tu vois, j'ai préféré. Je prends que ce qu'on a besoin, je laisse le reste aux autres, y a pas de problème. Yes. Voilà. Très bien. Vous êtes, je pense que le dieu aura compris mon message. C'est le dieu m'entend. Je pense que le dieu, il va te faire un slash kill parce que t'as pas écouté et t'y es allé. Tu vas rien comprendre. Il a droit. On peut lui faire une grande portion de frites géante. Le mec, il veut acheter le dieu par les frites. Bah, ah. GG, Romain, GG. Mais tu l'as très vite tué, non ? J'ai l'impression en 2-3 coups. Ah, je l'ai tout shot. Ah, il est 3 shots, je pense. Mais t'avais pas avec de... la fire aspect et tout. Mmh. Il est tout stuff en fer. Hein. Ouais, c'est vrai que tu l'as fait très mal. Ok. Il est stuff en fer, du coup. Bah, écoute, une fois qu'on revient, une fois que tu reviens, moi je dis popo plus un poil plus de TNT et go assaut. Hein. Je pense. De toute façon, on fait qu'un seul alambic. On fait qu'un seul alambic et le reste, on fait des popos de force avec. Par contre, j'ai pas. Ah, si, j'ai une pioche. Ah, j'ai récupéré une pioche, du coup. Bah... Tu vois ? On se plaignait. On se plaignait de pas avoir de pioche. Ah, par contre, les blocs de bois là, c'est super pratique. Hein. Quel bloc de bois? Bah, dans la maison. T'as mis... ouais. Bah, t'as vu la base? Y'a une sacrée base là! Waouh! Waouh! Magnifique! Ne dis pas, ne dis pas! Attends, wow. Quoi? Qu'est-ce que chez nous? Oui, je suis bizarre. J'ai l'impression de pas être chez nous. Ah, si, si. J'ai une underpearl! Moi aussi. Moi je dis, on les garde, ça sert à rien. Ouais. Pour s'échapper. Exact. Alors attends, il faut que j'aille à la salle des coffres. Salut. Salut. Alors, moi je vais un peu plus mettre de dalles encore. Alors, la salle des coffres. Oui. J'ai encore de la gunpowder en plus. Très bien. Il y en a 10 en bas encore, du coup. Ah oui, ça va. Ah bah du coup, on a 2 TNT en plus. C'est ça. C'est pas mal. La bouffe, c'est ici. Sharpness, non. Ouais, il a vraiment un stuff basique en fait. Hein. Je pense qu'il y est pas allé avec son vrai stuff. Et j'ai les blaze rods. Du coup. Hop. En alors, vrai, moi je pose tranquillou faire... des blocs encore. Hop. Ok. Il est pas là. Il y a même pas de cobble dans les coffres, quoi. Ah, ouais, c'est normal, je mine tout. Là, j'utilise tout pour augmenter la muraille. Après, le risque d'une muraille comme ça, c'est qu'il passe en dessous. Oui, possible, mais après, possible qu'on les tue aussi quand ils passent. Oui, non, bien sûr. Carrément, hop. Voilà, on va faire ça. Je vais récupérer hop. Tout ceci. Yep. Et puis, bah écoute, ouais, popo, TNT, et puis assaut. Hein. Ouais. Je pense qu'on est bien, parce que pour, tu te rends compte que pour les petits amis, là, avec le nouveau rythme de diffusion, ça fait un mois déjà. Ah ouais, putain. Eh ouais. Là, ils attendent, je pense qu'ils ont soif d'assaut, là.
Ah, c'est pas ça que je veux faire chauffer. Qu'est-ce que je veux faire chauffer? Du... Après, dites-vous, les amis, on préfère s'assurer qu'on est bien avant d'assaut, quitte à prendre un épisode de plus. Je peux comprendre que ce soit frustrant pour vous, mais dites-vous, vaut mieux qu'on soit bien plutôt qu'on aille à la précipitation, qu'on crève. Parce que les gens, ils ont arrêté de regarder depuis. Ouais, c'est possible qu'en fait, ouais. C'est possible aussi, hein. Je le dis. Ok, bah écoute, la base est encore une fois bien. Alors, je descends. Combien est-ce qu'on a TNT en tout? Donc 10, si je résume. Attends, il y a des creepers dehors, je vais me le faire. Bah oui, 10 parce qu'on en avait 8. Et là, tu viens de dire qu'il y avait 10 gunpowder encore. Donc 2 TNT. Ouais. Ok. Hop. Ok. Alors, je remonte. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas planté les Netherwarts. Oh, on n'a pas planté les Netherwarts. The Miss Addict, elle est dans la petite forteresse du Nether. À mon avis, aussi, il y avait de la lave partout. Hein. Moi, j'ai sauté un peu partout. Peut-être. Alors, attends, je descends on avec toi. On n'a pas planté la Netherwart, effectivement. On en a quand même pas mal, on s'en fout. On en a 3, mec. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Pourquoi tu l'as pas planté? Allô. Le mec, il précise bien. Pourquoi tu l'as pas planté? Je peux pas casser ici. Je peux pas passer ici. Attends, c'est quoi? Je l'ai planté là où il n'y a pas de lumière. Un village. Ça change vraiment un truc, ça? Normalement, ça, c'est mieux, je crois. D'accord. Alors. Première fois que j'entends ça, mais ok. J'ai 2 gunpowder en plus là. On en a 12. Du coup, je peux pas commencer les potions. Mais si, on a. Avec une gunpowder. Mais il me faut dans tous les cas la Netherwart. Et oui, mais avec la Netherwart, une Netherwart égale déjà 3 potions. Enfin. Si tu veux. Bah oui. Est-ce qu'on a des yeux d'araignée? On a un œil d'araignée. Attends, je vais faire. Je vais mettre ce qu'il faut tu ici. Tu veux que je fasse quoi comme première potion, à ton avis? Les forces. Ouais. On peut faire 6 potions de force. Allongées avec de la redstone. Donc c'est pas mal. Ouais. Regarde, je te mets en bas là, ici, tout ce qu'on peut faire avec des popos. On peut faire tout ça. Pas mal. Et on peut faire aussi des popos de heal. Est-ce qu'on fait des popos de heal avec des melons? Non, ça, strictement rien. Mais on a masse or. Je sais pas. Si tu veux, mais. Bah, moi, ouais, je ouais mais pour ça. L'instant, pour l'instant, on n'a pas assez de gunpowder, tu me diras. Aquard potion, elle est là. Ok. Pour l'instant, du je vais faire un petit peu base plus. Base rod. Il y en a pas de table de craft, si elle est là. Ok. Tiens, l'autre dessus. Et après, redstone. Ok, donc j'en ai 9 là de popos. Du coup, il y a personne qui regarde en haut là. Genre, si... Attends, il faut pas que j'aille dormir moi? Ah, si. Vas-y. Et je vais aller dormir aussi au cas où parce que j'ai un doute. Ouais. Pour moi. Attends, il me faut des blocs. Voilà. Oui, vas-y, va clairement dormir, effectivement. Ah oui, là ça pousse. Bon, ça va être long. Alors. Du coup, les jaunes? Ouais, je pense. Surtout que les blancs, on les a mis mal, donc le temps de les laisser un peu. Voilà, je dors. On attend un peu que la nuit tombe dans nos yeux. Et hop, on quitte. Ah, attends, elle est où ma petite tour là? Ok. Ok, je dors. Est-ce qu'ici on mettrait pas des hoppers Ouais, mais je pense que là pour l'instant ça va le faire. Moi je pense qu'on. Là, je pense. Peut-être que je peux me tromper, mais je pense qu'à l'heure actuelle. Aïe. À l'heure actuelle, tu peux casser ma tour s'il te plaît, le haut? Ah ouais, super. Attends, mais. Je suis tombé. Ah merde, mais j'avais pas. On va laisser ce bloc. Ouais, on va le laisser, t'as raison. Oui, je remonte pas pour enlever ces deux pauvres blocs, hein. Oui, bien sûr, t'inquiète. Moi, je dis, on peut se préparer, on va assaut, écoute, mec. Ouais, bah. Même si on n'a pas toutes les popos, on y va, et puis. Bah, tu sais quoi, j'en laisse qu'une à pousser, je fais popo de vitesse et popo de force. Vitesse, tu veux pas poison? Ouais, ok. Tu me diras, non, poison, c'est j'ai plus un bon pour la défense. Ok. Du coup, très il bien. Me faut un sucre. Il faut un sucre et force, ouais. Et comme ça, on va assaut. Ah, vous m'excuserez les viewers, je vais commencer à manger une pastille pour la gorge. Ouais, c'est ça. Ah. Non, ça ce sera après. Non, je sais pas. Après, putain, moi j'ai la dalle. J'ai mangé déjà, c'est ça le pire. Moi aussi j'ai mangé à 18h. Tac. Hop là. Tac. Ah, ça fait des popos. Ah, mais c'est toi. Oui, c'est moi. J'allais dire, ah, ça fait des popos. Bah, dis donc. Bah, c'est alors. Désolé. Et le bruit de l'amour pour les gens, je vous embrasse. Pendant que je me mouche, foiré. Par contre, j'ai. Ça a pété, ça a pété, ça a pété, ça a pété, ça a pété. Trois oui, fois que je le dis. Peut-être un. Attends, mais non, faut ça que a pété en hauteur, mec, ça a pété en hauteur. Monte. Je ferme la salle. T'as pas entendu l'explosion? Oui. Et tu t'es pas volé? Tu t'es pas dit Non. Ça pète. Attends, je sais pas, hein.
Mais dans le doute, j'ai entendu une explosion qui venait d'en haut. Ça a pété où sinon? Là, regarde, c'est pété là! Notre muraille! Mais y'a personne. Putain, c'est horrible! Regarde-le! Oh, ah, il nous saoule! Bon, du coup. Non, ne dis pas ça, il est gentil. Ah, il est gentil, il est gentil! Comprends-le, il a raison. Oui, t'as bien raison, Aurélien. Des caresses. Voilà, des petites caresses. On vous fait des bisous et on vous dit rendez-vous très bientôt. Ciao!